Monsieur l'inspecteur, nous venons d'apprendre que le remplissage des bidons dans les stations de service à Mandiana est interdit. Pourquoi cette décision? Avant tout, je me nomme Moussa Magasouba, l'inspecteur préfectoral des hydrocarbures SONAP de Mandiana. Ce qui est derrière cette décision, nul n'est sans savoir que le problème de carburant actuellement, ça fait couler bon nombre d'encre, de salive. Et le stock disponible en Conakry au dépôt n'est pas suffisant pour le moment pour la consommation de la population. Quand on a appris l'information par rapport à travers l'hiérarchie, de gérer rationnellement les stocks disponibles que nous avions dans nos différentes stations. Et on a pris langue avec l'autorité préfectorale, avec le maire de la commune, discuter ensemble, trouver solution à ces problèmes. À travers moi, on a décidé à ce qu'on interdit le piquage des bidons pour le moment. Parce que quand c'est les bidons qui font, qui prennent bon nombre de quantités, beaucoup de quantités, et ce marché noir s'approvisionne à travers ces bidons pour aller faire leur activité lucrative. Vous-même, vous savez que les produits pétroliers sont hautement dangereux. Vous-même, vous êtes sans savoir que l'accident qui vient de se passer récemment à Mandiana ici nous a fait perdre 4 personnes. Donc 4 personnes ont péri à cause de l'incendie dû à l'essence, à la gestion dominicale de l'essence. Chose qui n'est pas du tout normale. Parce que ça expose celui-là qui envoie à la maison et ça expose aussi sa famille et tout son voisinage. Parce que l'intéressé ne connaît pas, effectivement, n'a pas de connaissances approfondies ou de connaissances appropriées pour la gestion et la manipulation de ces produits pétroliers. Ok, monsieur l'inspecteur, oui? Est-ce que quand le remplissage des bidons sont interdits dans les stations, est-ce que cette mesure seulement peut vous aider aujourd'hui à gérer rationnellement le stock? Est-ce qu'encore il n'y a pas des heures qui sont précises pour les services dans les stations pour gérer le stock? Est-ce que aussi il n'y a pas ce qu'on appelle très généralement le carburant communautaire, c'est-à-dire les gens qui alimentent les groupes pour donner le courant dans les différents quartiers, oui. Est-ce que ces gens-là, ils ont souvent les bidons pour prendre le gasoil et envoyer? Est-ce qu'il n'y a pas des stations déjà à Mandiana qui n'ont pas de, qui ne travaillent même pas, qui n'ont pas de carburant ni de gasoil? Voilà. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il y en a 10 stations dans la commune urbaine de Mandiana ici, et dont 2 sont en rupture totale. Et deux ont du gasoil, l'une a l'essence, l'autre a de l'essence seulement, et les autres ont les deux produits. D'autres ont plus de quantité par rapport à d'autres. Et ce qui nous a amené à faire le service minimum, dans là où il n'y en a pas de quantité, les quantités ne représentent pas beaucoup. Ne sont pas assez considérables, au fait. Donc, on a jugé nécessaire de faire le service minimum là-bas. Parce que Mandiana, il y a un rythme de circulation à Mandiana. Le matin, tout le monde sort pour aller à des différents lieux de travail. Donc, le matin, ils ouvrent jusqu'à un certain nombre de temps, jusqu'à 12 heures maximum. Après, ils se soient. À 16 heures aussi, ils reprennent encore service. Au passé, ça coïncide encore au retour des gens de la brousse un peu partout. Est-ce que cette mesure va concerner même la sous-préfecture? Effectivement, c'est ce que nous comptons étendre nos champs jusqu'à dans les sous-préfectures à travers les sous-préfets et les maires, en commun accord avec les sous-préfets et les maires. Voilà, pour pouvoir appliquer aussi ces mêmes mesures là-bas. Mais pour le moment, on a commencé en ville ici. À côté de ça, ouais. D'autres personnes aussi, vous pouvez voir d'autres bidons aussi à la station, mais qui ne sont pas destinés aux ventes. Voilà.
Ce sont des prestataires, parce qu'il y a d'autres prestataires qui sont en ville. Le maire nous a fait savoir qu'il y a des prestataires en ville ici qui distribuent du courant privé. Voilà. Et ces courants-là sont destinés à la population. Donc ceux-là s'approvisionnent à travers les bidons, parce que les groupes ne sont pas faciles à déplacer. Est-ce qu'il y a eu aussi des sanctions envisagées pour des stations, des grandes stations, des pompistes qui vont servir les bidons? Voilà. Tout bidon, tout service dans un bidon non justifié, un intéressé est appelé à s'expliquer devant les autorités compétentes. Parce que nous sommes dans une situation d'urgence, hein, dont tout le monde doit agir ensemble pour pouvoir trouver une solution digne de soi et pour satisfaire la population. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup, monsieur. Pour l'heure, nous allons vous dire tout simplement que la pénurie du carburant à Mandiana ne se sent pas comme dans les autres préfectures. De Mandiana, Mamadi Konoma Keita pour dinematin.com.